On est très, très heureux de vous accueillir dans ce site qui est nouveau pour vous. D'habitude, si vous êtes déjà venu au Festival du film d'archéologie, on vous accueille à l'usine à gaz. C'est un anniversaire, c'est une preuve que ce festival dure et vraiment bon sur la durée. C'est rare pour un festival. 20 ans, c'est quelque chose. Ça veut dire qu'il y a de la qualité. C'est clair qu'il y a une qualité de film, mais il y a aussi une qualité de l'accueil. Et certainement le fait que ce soit un petit festival, c'est un vrai plus. C'est un plus parce qu'on peut se rencontrer, on peut rencontrer les gens qui sont derrière ou devant les films, les archéologues, on peut discuter. Il y a vraiment quelque chose qui se passe à Nyon, ce qui fait que c'est aussi le petit plus de ce festival. Non, mais c'était une soirée magnifique avec deux superbes films, un film d'archives de la RTS qui a beaucoup plu au public, surtout que Pierre Bard avant l'a replacé dans son contexte, et un autre film sur l'amour et l'archéologie, l'amour en Suisse, dont voici le réalisateur. L'idée de faire un film sur l'amour, être honnête, c'était pas... Mon idée, hein. C'était l'idée d'un collègue, et on a donné des 5 différents thèmes à l'SSR, et une de ces thèmes c'était l'amour, et ils ont choisi ce thème. Ouais, non, c'est pas la télé qui commande, c'est la télé qui diffuse. Idéalement, qui diffuse et qui accepte qu'on présente. Hein, ça. Il faut présenter intelligente et après, normalement, c'est accepté. Hein. Les livres, la plupart des livres, il manque des images. Hein, et l'audiovisuel, hein, il faut des images. Hein. C'est absolument important qu'on trouve des images. On raconte des histoires avec les images. Je crois que 65, c'était pas nécessaire de réfléchir si beaucoup, hein, qu'aujourd'hui. On a seulement fait des images. Hein. J'étais très 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 impressionné de cette image, de ce film qu'on a vu aujourd'hui, parce que oui, les images ont été super, super, absolument directes. Comme avec des images que personne voudrait faire aujourd'hui, hein, aujourd'hui. Mais ils ont été super, super. Mais la musique aussi était très, très impressionnante, hein, la musique de ce film aussi. Le choix des musiques, super, super. Hein. C'était très impressionnant pour moi.